Ça ne vous aura sans doute pas échappé, il y a 3 semaines, Booba et Kaaris s'affrontaient à l'aéroport d'Orly, provoquant ainsi des dégâts importants dans les commerces de l'aéroport et le retard de plusieurs vols. Résultat, en attendant leur procès qui aura lieu début septembre, les deux rappeurs sont désormais en prison. Mais alors que plusieurs détenus ont réussi à prendre Kaaris et Booba en photo en prison, une enquête interne a été ouverte suite à la divulgation de ces clichés. Kaaris s'ennuie vraiment seul. pic.twitter.com/oblique/cnchkkx9app/barksdel93@barksdel93/14 août 2018. En effet, sur les réseaux sociaux, on peut voir plein de choses, selfie avec Kaaris, vidéo de lui en promenade, fiche de détenu de B2O et K2 à provenant d'un logiciel de la prison. C'est ce dernier document qui a poussé le directeur de la prison de Fresnes à ouvrir une enquête. Dès que la DAP a été informée de la circulation de ces images, une enquête interne a été ouverte et le parquet saisi a déclaré la direction de l'administration pénitentiaire, DAP. La cellule de Kaaris a été fouillée vendredi soir et un téléphone portable saisi ont-il ensuite lâché, alors qu'un téléphone a également été saisi dans la cellule du détenu auteur du selfie. En espérant que cela n'aggrave pas le cas de Kaaris, dont on a essayé d'anticiper la suite de la carrière.